concept repose sur du commerce alimentaire de proximité, donc principalement au cœur des villes, avec des différents concepts qui se déclinent sous forme de Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour City et une petite enseigne qui s'appelle Carrefour Montagne. La notion d'équipe est extrêmement variable suivant le format. On peut aller de 3 personnes jusqu'à 25 personnes maximum. Donc 3 personnes dans les formats express, comme 25 personnes sur des formats contact ou city. Carrefour Contact, on passe dans un modèle plutôt rural ou périrural. Il faut considérer Carrefour Contact comme un petit supermarché, en fait, de proximité. Les gens qui rejoignent la franchise sont des gens, je dirais, d'horizons variés, mais ce sont des gens qui doivent avoir des qualités principales, des qualités de commerçants. Ça, c'est très important. Et des gens qui vont aimer ce commerce de proximité. On n'est pas du tout dans une phase, je dirais, de style hypermarché ou supermarché. On est réellement au contact du client. C'est ce que l'on recherche, c'est vraiment des gens qui vont aimer ce commerce de proximité. Le type de franchisé, c'est des gens qu'on va rechercher, des gens qui vont être, donc, comme j'ai dit, commerçants, c'est évident, des bons gestionnaires, des bons managers, des gens qui aiment le service de proximité. Mais ce sont des gens qui vont soit investir, ce sont des gens qui vont être investisseurs dès le départ, ou des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'investir et qui vont être passés en location-gérance sur une durée de 4 ans à peu près pour pouvoir capitaliser et devenir à leur tour investisseur. Donc il n'est pas obligatoire d'avoir des mises de fonds importantes au départ. Il y a toujours cette formule de location-gérance qui peut s'appliquer pour reprendre un de nos magasins. Il n'est pas nécessaire d'avoir un local commercial. On a des chargés de développement, on a des chargés d'études qui vont étudier les emplacements. Les gens peuvent l'avoir, ça peut arriver, mais ce n'est réellement pas une obligation. Je pense que la grande force du réseau et de l'enseigne, le Carrefour Proximité, ça réside dans l'accompagnement de nos franchisés. L'accompagnement se décline sur deux formules. La formation initiale, où on va mettre les gens en formation école, dans un magasin école, qui a 6 magasins école en France, où on va l'accompagner pendant un mois et demi, des fois un peu plus, suivant l'avancement de la formation. Et on va leur donner vraiment toute la mesure pour bien prendre la gestion d'un point de vente. Ça, c'est la formation initiale. Et à la suite, il y aura une formation continue qui va durer tout le temps du contrat de franchise. Donc, on va leur adjoindre les services, par exemple, la conseiller de franchise qui va les suivre durant toute la vie de l'entreprise. On va les conseiller métiers sur des métiers très spécifiques comme les fruits et légumes, comme le pain, la viennoiserie, la pâtisserie, comme sur la boucherie. Ils ont des métiers très techniques où là, il y aura vraiment une notion de conseil auprès du franchisé. On va avoir aussi des notions de conseil en termes de système d'information. Donc tout ce qui est le système d'encaissement, le système informatique de remontée des ventes. Et puis on va avoir un élément principal, c'est ce qu'on appelle un SVP social. Le franchisé aura à sa disposition une personne qui va lui donner toutes sortes d'informations juridiques, notamment sur les contrats de travail, sur les modalités de rupture de contrat ou de toutes sortes, tout ce qui touche au contrat de travail. Vous voyez, ça c'est important, ça c'est un avantage très fort au niveau du réseau. On a des réunions régulières. De franchisés. C'est-à-dire qu'on va faire un état des lieux en disant voilà, quelles sont vos bonnes pratiques dans vos magasins, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien. Nous, de notre côté, ça nous permet réellement d'avoir un état des lieux. On voit ce qui fonctionne dans le réseau. Et puis, les franchisés peuvent se connaître, ça c'est important, et échanger sur réellement leur métier au quotidien. Notre force, elle réside dans deux éléments. D'une part, dans nos concepts qui sont modernes. Quand vous voyez les magasins, quand vous voyez un Carrefour City, un Carrefour Express, c'est très moderne. Donc ça, c'est un premier point que les gens apprécient aujourd'hui parce que ça correspond à une tendance de consommation au niveau des clients. Deuxième élément qui n'est pas négligeable du tout, c'est l'accompagnement. Vous n'êtes pas lâché à vous-même dès que vous avez fini votre formation à école. Vous avez un accompagnement tout au long de votre vie du contrat de franchise. La vie du franchisé est rythmée au fur et à mesure par un accompagnement de qualité.